pourquoi personne ne porte plus le caïman pour le mettre à l'eau. Blaise Saint-Braz, Merlin, aux éditions Le Sorbier. Attention, à chaque fois que tu entendras ce bruit, tourne la page. Et maintenant, ouvre ton livre à la première page. L'histoire va commencer. Bama le caïman dit « J'ai faim !» Et il sortit de l'eau avec ses petits pour aller chercher quelque chose à manger. Aussitôt, l'eau se retira loin derrière eux. Ils bâillaient tous de faim sur la terre. La gueule ouverte, le vieux Bama et ses petits caïmans. Crac, croc ! Ils faisaient claquer leurs mâchoires. Le chasseur vint à passer. Il dit « Bama, comment es-tu sorti de l'eau ?» Le caïman dit « J'étais venu me promener avec mes petits. » Et voilà que l'eau a baissé et s'est retirée loin derrière nous. « Crac, croc, j'ai faim !» Le chasseur dit « Si tu n'étais un ingrat, j'irais te mettre à l'eau, toi et tes petits. » « Oh oui, dit Bama, porte-nous vite dans l'eau, moi et mes petits. » Le chasseur fit une corde avec l'écorce fibreuse d'un arbre et il lia le caïman pour le porter sur sa tête. Il attacha aussitôt les petits par la queue pour les porter plus facilement sur le bord du fleuve. Arrivé au bord de l'eau, le chasseur demanda « Bama, faut-il te déposer ici ?» Le caïman répondit « Avance un peu !» L'homme fit trois pas dans l'eau et dit « Bama, faut-il te déposer ici ?» Le caïman répondit « Avance encore un peu !» L'homme fit encore trois pas. Il avait déjà de l'eau jusqu'à mi-jambe. Il dit « Caïman, caïman, faut-il te déposer ici ?» Bama dit « Avance encore un peu. » L'homme fit encore trois pas. Il avait de l'eau jusqu'à mi-cuisse. Il se mit à crier « Caïman, caïman, faut-il te déposer ici ?» Bama dit « Oui, dépose-moi là. » Le chasseur le déposa dans l'eau, le délia, lui et ses petits. Aussitôt, le caïman le saisit par le pied. Enfin, je te tiens, dit-il. Quel beau morceau. J'ai faim. C'est toi que je veux manger. Lâche-moi donc, criait l'homme. Non, je ne te lâcherai pas, disait Bama. J'ai faim. Lâche-moi donc, criait l'homme en se débattant. Mais Bama et ses petits le tenaient ferme. Alors le chasseur dit, Bama, je prétends que tu es ingrat. Et il se tint quoi ? Il avait déjà de l'eau jusqu'au ventre. Le chasseur resta immobile et ne dit plus rien. Un petit lièvre vint à passer. Il dit, chasseur, que restes-tu planté là ? L'homme répondit, c'est Bama qui me tient. Le petit lièvre demanda encore, pourquoi le caïman t'a-t-il pris ?
L'homme dit très vite car il commençait à avoir peur. J'étais allé sur le bord du fleuve. L'eau avait baissé et s'était retiré bien loin. Le caïman et ses petits étaient à sec. Ils étaient bien ennuyés. Je leur ai dit. N'était votre ingratitude. Je vous porterai tous pour vous déposer dans l'eau. Le vieux m'a dit de les porter. J'ai répondu. Je ne vous porte pas. Vous me mangeriez. Le vieux m'a dit. Nous te mangerons pas. Alors je les ai pris et mis à l'eau. Le vieux m'a attrapé par le pied. Et les autres me tirent par les jambes. Et maintenant, je leur crie, lâchez-moi, mais lâchez-moi donc. Ils me répondent, non, ils ne te lâcheront pas. Je trouve que c'est juste, toi. Le petit lièvre dit, tu as pu porter le gros caïman sur ta tête? Le chasseur répondit, oui, le gros. Avec tous ses petits? Avec tous ses petits. Tu as pu les porter jusqu'au fleuve? Je l'ai pu. Je n'en crois rien, dit le petit lièvre. Et il demanda en criant. Bama, c'est vrai ce qu'il dit? Le caïman répondit. C'est la vérité. Le petit lièvre dit à l'homme. Tu sais, je n'en crois rien si tu ne les portes pas devant moi. Et il cria au caïman. Bama! Tu veux bien qu'il te porte encore une fois sur la tête? Le caïman répondit, j'y consens bien volontiers. Alors le chasseur lia le gros caïman avec sa corde pour le porter encore une fois sur sa tête. Il rassembla aussi tous les petits pour les attacher par la queue. Et les porter ainsi plus facilement à l'endroit où il les avait rencontrés la première fois. Bien loin. Hors de l'eau, loin de la vue. Arrivé là, il allait les délier pour les mettre à la même place. Quand le petit lièvre lui dit « Tue-les, Nigo, et mange-les !» L'homme tua Bama et tous les petits du caïman. Il emporta la chair à la maison et raconta ce qui lui était arrivé. Depuis, personne ne porte plus le caïman pour le mettre à l'eau. C'est un ingrat. Cette histoire a été lue et enregistrée pour une partie de la classe de 5e 8 du collège Pierre Moreto à Thuir en 2018.